Il y a du monde. Il y a du monde. Qu'il y a 2 ans, mais en sortie de confinement, en plein été, on a envie d'aller à la plage, on a envie de se balader. Je sais qu'il y en a qui ont annulé leur week-end, qui sont revenus plus tôt. Bah, un grand merci à vous, et ça montre que le vélo, c'est important. Donc aujourd'hui, bah, cette convergence, elle a montré que le vélo à l'échelle de la métropole, c'est pas une lubie, c'est vraiment une réalité. Et maintenant, tout ça, faut le concrétiser. Donc il y a des gens autour de nous qui nous entendent. Et on est vraiment là pour les aider, donc je pense qu'il y a quelques semaines, il y a eu des manifestations. Aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait faire nombre. Donc ben voilà, les vélos, nous, on est prêts à continuer pour accélérer cette transition cyclable et pour forcer l'ambition. Donc une manifestation d'encouragement à aller plus loin. Il y a des signes super intéressants, et ben maintenant on est là avec vous et faut y aller quoi. Vous rendez la dynamique vélo de Montpellier visible et vous faites vivre un centre de réinsertion à côté de Grenoble. Le tissu il est belge, il est italien. C'est cousu en France, c'est un produit made in France et c'est ce gilet, on espère que dans moins de 10 ans on le mettra plus. Parce que si on avait un réseau express vélo sur toute la métropole, on aurait des pistes sécurisées partout. Le gilet on le mettrait peut-être la nuit mais probablement moins souvent qu'aujourd'hui.